L'instar de tous leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire participeront aux veillées de prière organisées cette nuit dans les mosquées et sur les places publiques. Les mérites attachés à la nuit du destin sont immenses. Mais de façon bref, les mérites de cette nuit c'est que le prophète Mohammed, PLS, dans un de ses enseignements nous dit, « Celui qui veille la nuit du destin a veillé avec la foi sincère à Dieu », a indiqué l'imam Lamidi Maarouf, imam de la mosquée Al-Falakoumassi Biaye Sud. Cherchez la face d'Allah, le secrétaire général du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques, Qosim, de Koumassi a expliqué que le deuxième enseignement que donne la nuit du destin, c'est de chercher la face d'Allah en donnant les sacrifices, aider ceux qui n'en ont pas. Il s'agit concrètement de donner à manger à ceux qui n'ont pas, un vêtement à celui qui n'en a pas, etc. Ensuite, il est recommandé d'éviter de poser des actes illicites au coup de cette nuit. Si un fidèle veille cette nuit dans les conditions recommandées, alors Dieu efface ses péchés d'une année, a-t-il fait savoir. Cette nuit signifie ethnologiquement nuit du changement, nuit de la majesté ou bien la nuit de l'octroi. Puis, il a ajouté, nous remercions Allah, le donateur par excellence qui nous a donné encore ce mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan nous retrouvons une grande nuit qui est la nuit du destin. Qu'est-ce que c'est que la nuit du destin ? Si nous regardons la dénomination de cette nuit, elle signifie ethnologiquement nuit du changement, nuit de la majesté ou bien la nuit de l'octroam. Pourquoi Allah a-t-il donné ce nom à cette grande nuit? Parce que Allah apporte le changement dans la vie de tous. Et quel genre de changement? Il y a le changement annuel, trimestriel et le changement mensuel. Tous ces changements ne se trouvent que dans la nuit du changement. On demande à Dieu d'apporter le changement positif dans notre vie. Lire aussi Justice, le Jésus Baoulé, libéré et placé sous contrôle judiciaire. En outre, l'imam Lamidi Maarouf a rappelé que c'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, PSL. Et, le Coran contient 114 sourates et 6666 versets. Alors la nuit du destin est encore appelée la nuit du Coran. Ce qu'on conseille aux fidèles, à défaut de participer à la prière dans une mosquée et écouter la parole, il faut réciter le Coran. Même si tu ne sais pas réciter, il faut t'asseoir dans un lieu où on récite. Également, il faut écouter le prêche et demander pardon à Dieu, a-t-il enseigné. L'infodrome.si nous contacter, symbole copyright 2021, l'infodrome.si tout droit réservé.